C'était la première solution qui a été mise en place et qui se basait sur une solution de cache standard, un cache Redis, donc classique, pour faire cette méthode de cache de requête. Malheureusement, on s'est aperçu qu'il y avait une trop grande variabilité dans les requêtes et une trop grande cardinalité dans le nombre de configurations possibles. C'est-à-dire beaucoup de véhicules sont différents. Ce qui fait que le cache mettait trop longtemps à se remplir pour être vraiment efficient. Et on avait un hit ratio, c'est-à-dire le nombre de requêtes qui sont prises en charge par le cache par rapport au nombre de requêtes totales qui restait insuffisant pour protéger le calcul WLTP d'une charge trop grande. Pour mettre en place un système plus efficace, la réflexion a mené à définir un cache dit intelligent, d'où le nom du projet Smart Cache, donc, qui associe à un ensemble de configurations auxquelles on souhaite avoir le résultat WLTP, le calcul WLTP, une seule configuration de référence qui fournit le même résultat. C'est-à-dire, on s'intéresse à avoir des configurations en nombre réduit qui donne le même résultat. Et pour ça, on a mené une étude sur diverses solutions techniques qui permettraient de réaliser cela. Et c'est GigaSpaces Insight Edge qui s'est imposé comme la solution la plus adaptée. Et comment il fonctionne? Lorsqu'on reçoit une requête dans le Smart Cache, la première chose à faire, c'est de lui appliquer un masque. Donc, le masque, il est propre à chaque version et il définit quelles sont les options qui sont significatives ou non pour le calcul de CO2. Et on élimine toutes celles qui ne sont pas significatives. Ensuite, on regarde si cette configuration dite simplifiée, c'est-à-dire réduite, a déjà été rencontrée, auquel cas elle est dans la grille ou dans la zone mémoire, puisqu'on est sur une solution in-memory. Je vais y revenir dans un instant. Et le résultat, à ce moment-là, si on en dispose, est retourné. Si ce n'est pas le cas, on envoie la requête au calcul WLTP, on le stocke dans le cache pour la fois d'après et on retourne le résultat. Du point de vue de la démarche projet, nous avons démarré par un POC, un Proof of Concept, pour valider l'approche et la faisabilité technique. Donc vérifier qu'il n'y avait aucun souci vis-à-vis de la mise en œuvre de la solution et de sa prise en main pour tester. C'est une approche event-driven puisque c'est une application qui se veut fonctionner selon ce mode, c'est-à-dire que les requêtes, on considère que c'est des événements qui arrivent et qui modifient ou non la grille selon le cas et retournent ou non la valeur. Et on a exploité en fait une des capacités qui est la force de la solution Insight Edge, qui est la colocation du code et des données. Puisqu'on est sur une solution in-memory, c'est basé sur les concepts de space-based architecture, donc qui sont des concepts dont vous retrouvez pas mal de sujets d'études sur Internet. Donc l'idée, c'est contrairement à une base de données, au lieu d'avoir les données qui sont dans une base qu'on va chercher, qu'on ramène en mémoire, sur lesquelles on fait un traitement, là, tout se trouve au même endroit en mémoire, les données et les traitements, ce qui est beaucoup plus efficient. On voit qu'on a un hit ratio, donc c'est la grille bleue que vous voyez en bas, donc par famille de véhicules, hein, c'est les encodages de famille, les lettres en bas, donc les types de véhicules donc du groupe PSA. Et on a des hit ratios qui sont actuellement, après un mois et demi donc de fonctionnement, entre 65 et 83% de hit ratio d'accès au cache, plutôt qu'au calcul WLTP, donc ce qui est très pertinent ça représente un peu plus d'1 100 000 requêtes. Au moment où on a fait ces statistiques, il y a une semaine. Et des temps de traitement qui sont excellents, puisque vous pouvez le voir à côté, donc les barres rouges, c'est-à-dire qu'on est globalement
entre 15 et 19 millisecondes pour le traitement de requêtes. Alors, la solution Gigaspace, les critères ont porté sur différents points qui nous semblaient importants, à savoir la scalabilité, les performances, les capacités à stocker des structures de données, la documentation, le support, globalement l'adaptation aux besoins. On a pu comparer avec des solutions telles que ReadySearch, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB. Et en fait, cette solution est Insight Edge est ressortie devant systématiquement, dans la mesure où les bases de données avaient des coûts beaucoup plus élevés et étaient moins performantes, puisqu'on ne travaille pas en mémoire par principe. Il faut déjà aller rechercher les données dans le stockage avant de faire l'exécution et aller les reposer après. Donc, toutes les bases de données étaient moins performantes et plus chères, et sur les autres solutions étaient moins adaptées ou plus compliquées à mettre en œuvre.